Salut à toutes et à tous les amis, je suis content de vous retrouver pour une petite vidéo rapide aujourd'hui puisque nous allons parler de Miss Monde. Sachez que ce samedi 18 novembre a lieu la 67e édition de Miss World, Miss Monde, avec notre jolie représentante française Aurore Kitchener. Je vous rappelle d'ailleurs au passage qu'il reste quelques heures pour la soutenir, quelques heures pour voter pour elle sur le site qui apparaît en bas de votre écran par là, donc le site officiel, hein. Il suffit d'une simple inscription Facebook ou Google pour pouvoir voter pour soutenir notre française. Alors si vous souhaitez voir la cérémonie, eh bien sachez qu'elle est diffusée ce samedi 18 novembre à 13h sur la chaîne Paris Première, 13h heure française, hein, je précise, hein, pour nos amis des DomTom que je salue d'ailleurs, hein, heure Paris. Donc elle est diffusée sur Paris Première. Alors pour ceux qui ne savent pas comment on reçoit la chaîne, sachez que si vous êtes équipé d'une box, j'ai fait mes petites recherches, vous pouvez, pour les abonnés free, accéder à la chaîne avec le canal 28. Pour les abonnés SFR, c'est le canal 50. Pour les abonnés Orange, c'est le canal 36. Pour les abonnés Bouygues, c'est le canal 31. Et puis pour les abonnés Canal, c'est le canal 55. Et puis aussi, sachez qu'à défaut, Paris Première propose avec la fameuse offre 6 Play, bien une offre à 1,99€ par mois. Elle est sans engagement selon eux. Donc sur leur site internet, c'est très simple. Vous pouvez vous inscrire pour ce mois-ci, vous désinscrire le mois d'après, ça coûtera donc pas très très cher si vous voulez suivre Miss Monde, mais aussi Miss Univers, hein, qui aura lieu quelques jours plus tard, toujours sur Paris Première. Donc eh bien, sachez que nous aussi, nous allons vous proposer quelque chose de plutôt pas mal, hein, sur le site donc ce samedi 18 novembre, dès midi, hein, on lancera un grand live avec plein de photos, des anecdotes, l'ambiance sur place, etc. Donc vous allez voir, si vous restez connecté sur notre site internet, ça vaut le coup également. Voilà, on soutient bien sûr Aurore, très très fort, on lui souhaite bonne chance pour ce concours et surtout qui aura lieu d'ailleurs en Chine, à Shenzhen, voilà la capitale un petit peu économique du pays, le poumon économique du pays. Salut à toutes et à tous, prenez bien soin de vous, soyez prudents et je vous dis à très bientôt. Bye bye, salut. Feeling the sunshine once again.